Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir, je dis en l'autre fois encore pour me porter pour vous. Émission parlant mon éditorial avec Yannick. Déjà, m'a tout annoncé nous. Émission aujourd'hui très technique, moi gagné avec moi Stanley Lucas avec nous pour analyser différents faits qui a dominé actualité. Gagné dossier Lise Kittel là côté que pays Espagne a refusé le visa entrée visa Schengen là pour te rentrer en Espagne. Nous gagné dossier Amnesty qui concerne G9 en famille. Hier. Nous gagnons liste que département d'État américain et dans liste gagnent différents acteurs politiques, différents acteurs dans la vie économique pays qui ont même gagné crocodile, ils ont gagné relation, ils ont gagné et acquaintance avec gang en le dans pays. Donc tout ça, nous allons regarder qui s'astène les Lucas Abdi sous dossier ça, qui d'elle gagne. Et ça qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est faire le point sous dernière visite. Émissaire américain Brian Nichols t'est fait pendant 2 jours en Haïti là. Donc préparons, nous pral parler pays, nous pral faire débat, non souci pour être informé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Je sais que tu as annoncé, moi gars avec moi sur l'inance, Stanley Lucas. Avec nous pour regarder 4 points qui sont fondamentaux dans l'émission aujourd'hui. Nous pour regarder, premièrement, nous pour regarder question plaidoyer qu'a fait là pour demander amnistie et chef gang différents nègres qui dans gang G9 en famille. Nous pour parler sous liste que département d'État américain, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui décider pour couper visa au paquet commanditaire gang en Haïti que le politicien que le nègres qui dans secteur privé. Nous pour regarder qui est qui était assimilé aujourd'hui là comme politicien comme nègres dans secteur privé. Qui a financé gang qui a baillé des moyens pour terroriser la population. Nous allons regarder tout en 3e place, dossier qui est pour avec le ministre intérieur, Lise Kittel. Nous apprenons que les pays Espagne refusent le visa d'entrée pour aller en Espagne. Donc nous allons regarder qui conséquences, est-ce que le possible tout ça. Et nous avons fini avec dossier visite by Nichols. Parce que le rentré en Haïti là, il vient rencontrer avec différents protagonistes, Chita Palé. Non, regardez, est-ce que son bonne visite était fait? Donc Stanley, bienvenue dans l'émission, c'est la caillou. Et comment y est? Bonjour Yannick et bonjour à tous les auditeurs et toute l'équipe de TAC 509, content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et Stanley, je me dégage annoncé là, nous allons gagner 4 points, nous allons regarder ensemble. Et gagner, nous allons commencer avec visite Brian Nichols, parce que nous faisons 2 jours en Haïti là, mercredi, jeudi. Et nous avons rencontré avec différents secteurs dans la politique là, nous avons rencontré avec le secteur patronal là, dans l'idée pour chercher une solution avec le problème pays. Comment comprendre et visite ça? Non moment qui est crucial, non moment qui est déterminant là pour Haïtiens, pour Haïti, parce qu'en même temps, il y a cherché en entente politique, il y a cherché une solution avec problème politique qui vient là, mais tout nous senti bon l'huile, il y a vidé sous du feu avec question intervention militaire étrangère. Comment comprendre une visite sous secrétaire américain Brian Nichols? Bon, merci pour la question ça que vous posez. Hein. Premier bagage qu'on a constaté et l'on a regardé des visites là et rencontres qui fait yo ou est allé à l'encontre de la constitution et tout principe démocratique soit chercher stabilité politique dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que on regarde qui moun y rencontré. Les rencontrer Fritz Jean Lavalas. Les rencontrer tête syndic Lavalas. Les rencontrer Magali Komo. Les rencontrer en partie dans le secteur privé. Donc l'on regarde des moun que sous-secrétaire d'État américain et rencontré, ou est que moun sa yo pas représenté aucun moun en dedans pays d'Haïti. Parce que l'on prend résultat 5 dernières élections qui fait dans pays d'Haïti, Fritz Jean pas représenté en rien au niveau de représentativité politique. L'on prend résultat 5 dernières élections pays d'Haïti, Magali Komo, Ted Syndic, oligarque secteur privé qu'elle rencontre yo pas représenté en rien. C'est ça ambassadeur albanien t'a dit dans le Conseil de sécurité a gon déconnexion totale
entre oligarques et classe politique là. Et ça peut pas ici en lui-même voulait qu'il s'écrase le système ça qui pas représenté. Donc c'est le premier aspect. Deuxième aspect, son aspect purement constitutionnel. Constitutionnel en clair, il dit comme ça que les autres ont président dans le pays d'Haïti ou pas qu'à mettre ton nouveau président tout autant que le peuple a pour voter. En attendant que le peuple a voté, article 149 l'a dit, son premier ministre qui doit diriger le pouvoir exécutif là avec cabinet ministre. Ça veut dire que l'Ariel, que nous voyons Ariel aller demain matin, son premier ministre qui doit remplacer avec des ministres, pas de aucun côté dans la Constitution qui est accord. Accord n'a pas existé dans la Constitution. Donc, dans l'approche que sous-secrétaire d'État a fait, l'Irak, ça rappelle nous en pile, erreur que les Américains ont fait en Irak. Les Américains ont gagné des interlocuteurs. Dans ce style ça yo que tu rencontré qui te dit yo les Américains t'ap débarqué en Irak yo t'ap recevoir yo comme des sauveurs et nèg qui était dans tête mouvement ça yo t'relé le Chalabi et Américains yo les vinn découvrir erreur yo et il était trop tard Irak tombé dans la guerre civile. Donc je vous dis à les sous-secrétaires d'État américains à rencontrer des monde qui pas gain aucune représentativité au niveau national. Et c'est dans la direction et aggravation crise que nous pouvons aller. Et nous connaissons que dans l'histoire du pays, il y a 11 interventions militaires qui sont faites. Toute intervention militaire ça qui fait pas jamais porté un rien de positif pour le pays d'Haïti. C'est des catastrophes qui ont toujours porté et puis affaibli l'État. Mais qui ça d'après vous même qui justifiait que c'est avec monsieur Damako Montana yo Pengré li choisi rapporter alors que c'est pas seul protagoniste qui gagne à théâtre en face Ariel Henry. Nous gagnons et tire Sénat, nous gagnons Joseph Lambert et récemment là qui saute mettait dehors communiqué qui même te dit il pral prendre des dispositions pressé si Ariel Henry pas résoudre problème pas porter et solution avec revendication populaire yo. Pour qui ça d'après vous même Brian Spicoz si choisi rencontrer avec un groupe monde qui déjà contesté dans et pas population un groupe monde qui rentre dans petit chambre hôtel yo dou yo pral mettre campion encore Montana yo fait élection yo choisi un président transition yo choisi un premier ministre transition alors que nous voulons que nous parlons jodi an là seul élu nous gagnons là c'est tiré Sénat c'est moun sa yo malgré yo contesté yo style là yo toujours dans Sénat République là pour qui ça d'après ou même c'est moun encore Montana yo au lieu t'a choisi dans rencontre ça pour rencontrer avec et tiré Sénat et américain nan gonba yo rele en anglais trenches avait dit bazou dans politique interne des États-Unis. Ici aux États-Unis, raison qui fait que rencontrer moun sa yo, premièrement, Fred Jean gen 2 ans qu'il a fait lobby aux États-Unis pour faire coup d'état par là. Et soit regarder toute vidéo Zoom qu'il participer là-dedans, par exemple dans Inter-American Dialogue. Vidéo ça disponible sur internet là ou après monsieur toujours demander américain font entrer dans bagaille là et la valace là il y a un groupe de lobbyistes qui te fait 30 millions de dollars américains avec yo et yon rele Brian Concannon et gende lo pa konn si lobbyiste ou bien si staff dans congrès américain hein? L'autre là rele Ira Cousben yo fait en pile lobby dans mitan des Black Caucus et parti extrême gauche parti démocrate là. Et en même temps tout dans constituency ça yo ou une série de blancs corrompus et volés qui cherchent joindre vieux contrat illégal pour y aller voler l'or pour y aller voler cuivre pour y aller voler tout ça nous gagne comme richesse en bas terre pays d'Haïti. Donc dans sens ça et blanc ça yo fait gros lobby dans gros capital yo ça veut dire Washington et New York et Paris et Ottawa pour regarder si on a installé un gouvernement provisoire corrompu qui pas répond à prérogative constitutionnelle yo pour que eux-mêmes y a fait des vieux contrats dans sens ça ou songer que pendant période privée et c'est pour ça blanc corrompu remet gouvernement provisoire yo te fait privé signer pour yo 4 500 millions de dollars américains contrat illégal c'est président Jovenel Moïse Elvin président qui était obligé éliminer tout contrat ça yo qui pas bon ni pour peuple ni pour l'état donc je ne jodi ça cap régler. Mais là, tout bon l'autre approche.
N'a pas gardé dossier Haïti. Excusez-moi, m'a pas ajouté pour une réponse à tout. Moi voyez tout auditeur yo a regardé sous compte Twitter, sur Twitter, gourmet qui gagnait ancien ambassadeur Daniel Foot qui s'était envoyé spécial président Biden avec sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols, yo gagne des laisser frapper ouvert que tous deux américains ça va faire ensemble, ça montre que même dans ici les États-Unis, gourmet pour pouvoir faire en Haïti, ici dans Washington. Exactement. Regardez sous Twitter échange entre Daniel Foot et sous-secrétaire d'État américain. Et Daniel Foot même rivé traité Brian Nichols de anti-haïtien dans dernier tweet qu'il fait. Mais c'est de ça nous t'apprends parler parce que n'a remarqué même au niveau Washington gagne laisser frapper pour ta contact qu'a fait parce que semaine dernière là gagne yon parti dans le Congrès, gagne président pro tempore Sénat, qui lui-même avec ancien candidat à la présidence aux États-Unis, Tokou et Bernie Sanders, qui yon même yon mandé et administration Biden nan, pour la guerre Ariel Henry, pour retirer tout support yon bay avec Ariel Henry. Donc est-ce que l'administration Biden nan, par rapport avec toute situation, tension ça qui existait sous dossier Haïti dans le Congrès américain. Est-ce que Biden, est-ce que l'administration n'a pas tenu lui-même pour le garder pour ensemble de propositions que le Congrès a fait dans le dossier Haïtien? Est-ce que ça tout, dans le jour qu'il vient là, pour aller le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour le réunir et sous dossier Haïtien, ça qui vient pour avec intervention militaire que Ariel Mandia. Est-ce que tout bagaille ça n'a pas joué en défaveur à Ariel Henry ou bien en défaveur intervention que Ariel Mandia? Bon, bien entendu, il y a quatre courants dans Washington qui gourmet sur Haïti, sans compter lobbyistes différents secteurs en Haïti, oligarques qui ont lobbyistes par yo, et Frigian qui ont lobbyistes par Aristide qui ont lobbyistes par Matéli qui ont lobbyistes par lui. Donc ça fait que situation politique là dans Washington, c'est qu'on compte à deux et feu croisé qui a fait entre toutes forces politiques ça yo. Donc c'est peuple là qui pourra être intelligent lui-même pour connaître que tout accord qu'a fait yo, yo gon grain mettre c'est oligarque Pétionville, yo même qui touye président et qui met en place système baisé sous CA. C'est pour ça nous-mêmes nous te proposer une solution constitutionnelle avec une composante originale. Solution constitutionnelle là très clair. Léa Ariel Henry son nouveau premier ministre avec des ministres pour remplacer. Ou même peuple sous pas voulez prendre un coup, sort d'où est fait. Conformément à l'article 149 Constitution, hein, fait chaque département en dedans pays à bail deux mounes, un garçon, une femme. 10 départements yo a bay 20 moun qui se 10 garçons 10 femmes dans mitan 20 moun sa yo conformément à article 149 constitution choisi un premier ministre à 18 ministres yo laisse ça au bon gouvernement interdépartemental capable garantir que ressources qui dans budget l'état à la province ou rétablir sécurité, organiser référendum, élection législative et présidentielle pour garantir que non délai pas dépasser 10 mois, pays a retourné à l'ordre constitutionnel avec installation de la 51e législature et du 59e président de la République. C'est la seule option que le peuple a gagné. Et si le peuple va continuer à mobiliser, la prendre un coup. Ouais, si le peuple a pris un coup, il a dit que dans 3 ou 4 mois encore, on va retourner dans la même crise. Parce qu'aucun n'a accord. Pas qu'à solutionner problème yo non seulement accord yo c'est oligarque qui met yo tout monde qui n'a accord yo gagne l'objectif à ravitailler dans l'état pour vinn plus riche non c'est ça nous nèg yo prend caisse l'état yo prend institution l'état yo comme bien privé yo rentre faire l'argent et puis après aller mais gros problème qu'on y a parce que nous connaissons choix moun sa qui t'a supposé à le représenter disons bon, go appel quand fait perdre fil d'idée. Voilà. Nous face avec une situation je dis à côté que choix politique pose problème. Moun ka fait politique en Haïti là, yo chaque vle ses solutions yo côté sur table c'est lui-même qui pou passer. C'est pas yo qui pi bon. Ou n'y a pas rapport avec une telle situation côté que chaque groupe politique, chaque acteur politique c'est yo même qui wè nécessité pour yo ta mettre moun pa yo dans intérêt pa yo, vin enrichi dans boîte l'état yo, dans administration publique là. Ou n'y a sous qui base pou ta pral choisi moun sa yo qui t'a gagné objectif, ou n'y a qui t'a pral gagné mission pour yo représenter
population bien représenter département yo non gouvernement qui t'a pral forme. Et d'ailleurs bon l'autre bagarre encore bon l'autre bagarre c'est que jodi an la changer Ariel mettez on l'autre gouvernement qui garantit qui gagne que même protagoniste yo que même moun sa qui dans la rue y a bal chance pour lui réaliser ça gagner comme plan. Bon, on va qui clair pour tout le monde après 15 mois. Non seulement Ariel impliqué directement dans le 58e président pays à Jovenel Moïse, à travers pendant que CA, que Bakarita deux, il va organiser des élections libres et démocratiques. Trois, il n'a aucune sensibilité par rapport à la souffrance du peuple. Parce que deux budgets qu'il crase, un budget rectificatif 197 milliards et l'autre budget 210 milliards, là, tout comme ça, c'est comme qu'il en poche, Oligar Pétionville, et puis il y a des millions qui ont des politiciens qui n'ont encore 11 septembre en matière d'apaisement. Pas grand-rien qui fait pour la population. Hein. Après le tremblement de terre 14 août 2021, pas grand-rien qui fait dans le Grand Sud. Là. Situation que oligarques ont mis 4 500 000 personnes dans l'insécurité alimentaire en dedans l'État, pas gagné aucun effort pour joindre ressources l'État pour aller aider les gens qui ont souffert dans le grand goût. Et 4 500 000 personnes qui ont gagné pour aller à l'école le 3 octobre, 3 500 000 qui ont l'école fondamentale et 1 million qui ont un nouveau secondaire, pas gagné qui t'a fait faciliter rentrer l'école là. Bisinité, yo ta ka range yo pour faire transport gratis pour timon yo, yo pa fè rien et yo ta créé un environnement qui facilite parents avec rentrer l'école là. Même au niveau gaz là c'est descend au niveau international. Baril pétrole là 2 mois et tout pour arriver mois de septembre, il descend de 21 dollars. Ah c'est pas c'est Gatsan, par exemple, un pays dans Kougui, soit le gardé, l'idée s'en prie gasoline à diesel. Ah. Elle s'est montée au Montelli. Donc ça montre que le gouvernement a là clairement et il n'a pas rétabli l'autre dans le pays, il n'a pas organisé l'élection, il n'a pas répondre à besoin du peuple. Donc, il faut que nous remplacions. D'accord avec vous, ou pas qu'à faire remplacement ça en des autres. Et c'est pour ça, avant le peuple a commencé, recommencé à mobilisation, l'État a bon que dans chaque département, yo, base paysan, yo, base organisation femme, yo, base la jeunesse, dans chaque département, choisi un garçon, une femme qui a une compétence, qui a une capacité, qui a une intégrité, que non pas mélanger dans rien. Deux mouns par département, pour avoir 20 mouns. Dans le temps, 20 mouns, nous finissons d'identifier. C'est eux-mêmes, dans le temps, vous avez choisi le premier ministre avec le ministre. Pour y avoir l'offre, soulèvement général là qu'a commencé pour voir Ariel aller et automatiquement Ariel aller moun sa yo pral prêter serment dans primature parce que concours sous doute aller a dit 149 l'a dit ou pas ka mettre président les autour un président tout autant que peuple là pour voter. Bon so proposer là m'pa wè li trop différent de ça que t'es fait dans Montana. Qui ça qui marche? Non, ça que t'es fait dans Montana, c'est 42 mounes, yo t'es payé chaque 3 millions de gouttes pour mettre frigian. Et pas de rien de démocratique. Son bagay qui est oligak qui ont monté de toutes pièces. Même genre, à quoi pendant, c'est oligak qui ont monté. À quoi ça, les publics Aristide Lan, c'est oligak qui déle tout. À quoi on se tamna, et à quoi et conseil de transition, c'est oligak. Samabdou là, c'est des conseils départementaux avec toute organisation populaire, organisation femmes, organisation jeunes, organisation paysans, organisation socio-professionnelle. Ils ont tout qui mettent ensemble au nom du département. Ils ont choisi deux monde qui a crédibilité, compétence et capacité, deux monde qui va pas baisser tête devant blanc et puis chaque département ça a eu, les au fin bail tout monde il va gagner 20 monde dans mi-temps 20 monde ça a eu, il va choisir un premier ministre avec 18 ministres après donc grain qui était assis le job ambassadeur directeur général ou bien ministre délégué au Bali. Mais si vous ne faites pas ça, c'est Oligak Pétionville qui a pris le chita sous table poker, sous table jeu de hasard dans Peggyville ou bien dans Mon Calvé. C'est eux-mêmes qui a pris le barou, prochain gouvernement, et la pral tout non, on l'autre version d'Ariel, et puis dans 4 mois, on retourne dans plus de problèmes, plus de violence. Non, nous ne pouvons pas nous mentir que Oligak Compu en Haïti ont vraiment influent. Ils ont tout domaine, ils ont rentré dans toute sauce, ça pour Magui. Nous ne pouvons pas nous mentir. C'est le même système, non? Eh bien, exactement. Je dis là, nous avons gagné. Département d'État américain. Excusez-moi, bon bah pour me rappeler peuple là. 99% oligarques qui mettent système dans cap corrigan qui dans violence, qui pillent l'État, qui pillent peuple là dans gaz, dans dollar, dans toute bagaille.
99% oligarque ça yo pas gagné passeport haïtien, yo gagné passeport américain, canadien et français. Ça veut dire que yo tout à l'étranger là, mais c'est eux même qui ont téléguidé toute bagaille. Et c'est pour ça les américains dit la prévoqué visa, bagaille ça son bluff que lié. Si américain veut aider nous tout bon, c'est pas visa qui l'a prévoqué. C'est saisi contre la banque oligarque ça yo tout côté dans le monde là et en Haïti. Mais c'est là exactement nous t'apprends rentrer parce que n'a pas gardé gagné département d'état américain qui dit là et gagné Anthony Blinken qui t'a fait un point presse qui dit carrément gagné des mesures qui prend sous dossier haïtien, gagné des acteurs politiques, gagné nèg dans société dans secteur économique là qui gagné et connivence qui gagné acquaintance avec gang bandits de dans pays là pral. Yo pral revoquer visa moun sa yo pa ka voyager etc et puis pral gen l'autre sanction qui a pris contre yo même et depuis là en Haïti là nous son seul bagay ka factualité question États-Unis pral revoquer visa alors que réalité en ce qui s'allie nous konnen gang yo chef gang yo pa voyager chef gang yo pa sot la rive la c'est zam c'est politiciens pote zam ba yo c'est nèg dans secteur privé qui pote zam ba yo comment pral di que des séries de nèg qui ont gros investissement la caïno aux États-Unis, Canada, la France, etc. qui ont même tout l'argent corruption yo fait en Haïti, c'est la caïno qui a investi. Comment on pourrait expliquer que les haïtiens moun sa yo pral couper visa yo alors que en pile là yo pas même visa, c'est citoyen pays en yo. Et deux bagailles sous question ça. Et premier bagaille, trois bagailles. Premier bagaille, la liste qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est fabrication et menti. Parce que selon la loi qui existait aux États-Unis, même les gouvernements américains ont révoqué visa au monde, ils ne sont pas non. La loi interdit ça. Donc nous connaissons que c'est un dame oligarque dans le secteur privé, c'est lui-même qui fait ça pour régler les affaires politiques. Et li lagé yo sur internet là. Donc li sa yo pa vérité son dame oligarque c'est ya ki lagé yo. Ça est premier bagay là. Et deuxième bagay là c'est que nous songe gen quelques mois de ça et américain ont révoqué et visa yon nan dirigeant SDP yo 3 mois après yo rebali li monsieur était monté New York à visiter madame ni. Donc là il dit gon bluff là. Et troisième bagaille là, si américains ont besoin d'aider nous tout bon, yo konnen gen deux bagailles fondamentales pour yo faire pour aider nous tout bon. Premier bagaille là, bay la police à l'armée, zame équipement que besoin. Deuxième bagaille là, c'est saisi compte en banque et 15 catégories qui impliqué dans gang et dans trafic zam. Première catégorie c'est oligarque yo, gen 15 là-dedans. Deuxième catégorie c'est ancien président qui dans gang et dans trafic zam, gen 3. Gen troisième catégorie c'est officiel gouvernement qui nan gang et qui nan trafic zam gen 13 sénateur en fonction quatrième catégorie gen 3 et ancien parlementaire qui nan gang et qui nan trafic zam gen 17 membre CSPJ et juge qui nan couré gang ou bien lagué gang et qui nan trafic zam gen 32 et commandement la police et commissaire cap coordonner action organisation criminelle fantôme 509 gen 4 policier qui n'en gang gen 80 leader politique qui n'en gang et dans trafic zam gen 8 chef gang yo 53 et plus et gen 2 membres coup des comptes gen 3 membres droits humains gen 4 journalistes cap corré gang et lobbies blanc cap corré gang dans Washington gen 2 et puis même catégorie moun l'église qui n'en gang. Donc ça veut dire que l'autre prend tout c'est 260 moun pour yo saisi compte en banque yo en Haïti à l'étranger et puis depuis les soirs gen la paix. Mais Stanley l'histoire adressée à ce qui base ce qu'on joigne est-ce qu'on partage quelque nom avec public là moun yo ta bien remé connaît parce que pas d'acte en dehors. C'est des efforts ça veut dire que c'est ça. Elle dit que tout bagaille ça aussi ça les sources d'information publique. Par exemple, l'on aller et li livres qui sont forme de rapport que nèg qui était responsable renseignement et intelligence dans le ministère a écrit, li bon tout oligarque qui dans gang yo. Monsieur c'est ancien agent de renseignement, c'est métier ça identifier moun qui dans trafic zam et qui dans gang. Ça par exemple son source d'information. L'autre prend rapport qui existait sur la violence politique en Haïti, c'est information. L'autre prend témoignage gang yo par exemple et sur YouTube. Par exemple, Wal prend et l'amour sans jou. OK? Et monsieur explique comment c'est ancien président chambre des députés Tolbert Alexis qui bali et Galil avec 9 mm qui mettait l'engang
et l'autre témoignage vite l'homme lui explique dans qui hôtel oligarque était qu'on a réuni avec Ariel Henry monsieur SDP yo, non seulement pour former 400 maozo mais pour monter fantôme 509 l'autre une déclaration par exemple sur YouTube de barbecue duo et qui sénateur qui convoie ze Bali avec 30 000 dollars qui oligarque qui convoie Bali et 50 000 dollars motocyclette et la trier. Donc ça veut dire que information ça est des informations vérifiées vérifiables qui permettent de dresser qui est dans le pays qui est impliqué dans le gang dans le trafic d'armes et la trier. Donc je vous dis est-ce que et si blanc voulait aider nous à faire révoquer visa, pas va faire aucune différence. Si blanc voulait aider nous vraiment, bagaille qui pour faire très simple, saisir tout compte en banque yo. 260 moun en Haïti à l'étranger et bay la police à l'armée, zam que yo besoin pour combattre gang yo. So, tout autant ça pas fait et ou pas craser insécurité a avec gang yo dans pays a. Et comme te doute tout à l'heure, quand insécurité a gen 3 étages. Tout autant que nous pas manger tous les 3 étages, nous pas pral aucun côté. Dans radio, à télévision, à part quelques exceptions tant qu'ou même tant qu'ou Info Beto, tant qu'ou et Boustadion et la Trier et Yannick et ou même et Foucault. Et dans la radio, c'est seulement de premier étage là, ils discutent. Ils permettent, pour ne pas perdre du corps, ils permettent deuxième à troisième étage là. Il faut nous casser tous les trois étages. Mais je dis encore, bon réalité sur toi là. Dans ce moment là, tout le monde a essayé. Mais où vous dites là, commencement là, il y a une liste qui a circulé sur tout le réseau là, il y a un paquet de là dedans. Alors, son liste. Mm-hmm. Son liste faux. Oui. C'est une dame, secteur privé, une dame oligarque, secteur privé. Et c'est lui-même qui fait l'islam, tout le monde qui est lié, et c'est lui-même qui l'a lié sur tout réseau. Yo. Parce que lorsqu'on a un monde qui connaît Internet là bien, et ou qu'on qui j'en pour chercher source, parce que lorsqu'on document, que l'on document qu'on écrit, que l'on vidéo, que l'on photo, et qu'on l'a sur Internet là, photo a gagné sa relais, on signature électronique. Li te mettre passé dans mes 50 millions de monde, ou après exactement qui monde qui fait. L'ISA. Son dame oligarque Pétionville qui fait li pour des raisons purement politiques. Pa, ça apparaît parce que partager là avec public là non, c'est qui est dame ça et qui nol. De me chercher na friend. Donc et on certain technicien là qui bon dans internet depuis là regarder document ou a joindre sous là il font un tableau qui accompagne et c'est dans tableau ou joindre sous là de monde qui fait là. Donc ça veut dire que moun ki fait là, il fait pour des raisons purement politiques parce que la loi aux États-Unis dit comme ça que même loi retirer visa moun ou pas de publier non moun qu'on retire visa. Yo. Donc ça veut dire que l'ISA pas vraiment disponible en dame secteur privé en ligue avec secteur privé qui fait l'ISA qui a pris de l'affaire politique. Li. Mais qu'est-ce que m'a pose là? Dans 260 moun ou gagne avec l'ISA qui circule là sur internet là. Est-ce que pas gagne des élus? Yo pas gagne pour les deux. Même ça me doulan pas bon non moun. Moi bon secteur qui impliqué dans trafic zam par exemple nous dans l'église donc l'aime dans l'église là par exemple dans l'église là il y a à peu près une vingtaine de monde qui impliqué dans trafic zam et dans courant gang donc soit faire recherche sur internet là on joindre tout le monde qui dans l'église épiscopale par exemple qui impliqué dans trafic zam et moi donc comme ça oligarque soit faire recherche on joindre tout oligarque qui impliqué dans trafic zam dans l'instant tout moins de consacrer gain regarder dans commandement de la police sous Dimitri Vob qui montait fantôme 509 ou joindre quatre commissaires qui coordonner action fantôme 509 là qui dans position clé dans la police là elle dit que moi-même pas bon non bon des références qui permettent de chercher et joindre nous tout le monde c'est 15 catégories que lié pour tous les 15 catégories mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui là la justice nous avons une idée de personnalité nous avons une idée de qui est ce qui groupe monde qui des violences criminel qui a fait dans deux pays. Mais la justice n'existe pas, Yannick. La justice n'existe pas. Et la justice, depuis sous président Jovenel Moïse, c'est oligarque à Youri la tortue qui gagne contrôle système judiciaire. Parce que faut pas oublier que en dans la constitution, hein, président a nommé juge. C'est deux côtés qui font recommandation de monde que vous devez nommer comme juge. Mais président choisi. Président choisi sous recommandation Mounio. Président, son seul bagage qu'il fait. Et selon la Constitution, les gens qui choisissent les juges qu'ils doivent nommer, c'est deux côtés. C'est CSPJ avec le Sénat de la République. L'Eury Latour, tu es président de la Commission de justice dans le Sénat, il met un paquet de juges corrompus dans le système.
C'est pas par accident journée jeudi a, par exemple juge que choisi pour agir et dossier président Jovenel Moïse, Walter Wessel Voltaire, son indignité qui était nommé l'élite ministre de la Justice Paul Denis. Nèg ça a son théâtre que voulait le faire, on ordonnance définitive limitée pour protéger tout assassin qui touille président. Donc ça veut dire que 80% juge qu'on gagne dans le système judiciaire, c'est CSPJ avec Sénat qui était nommé jeudi avant m'a parlé avec ou là, la justice nommé oligarque, un exemple concret, juge Brédi Fabien qui signe un jugement qui fait Dimitri Vop oligarque blackout dans cadeau 401 millions de dollars américains cash l'État. Alors que l'Américain lui-même, dans le cadre de coopération qu'il a fait avec nous, il a donné 3 millions de dollars américains. Et puis pendant l'État de la corruption, à cause de juges et système judiciaire, fait Dimitri Vop cadeau 401 millions de dollars américains. Il avait dit qu'il a effacé presque 360 millions de dollars américains. Et qu'on a 55 millions de dollars américains à baisser Bali. Donc c'est le système judiciaire qui n'a pas oligarque. Par exemple, un dernier exemple en bas, la justice fait des mandats. Depuis le 9 juillet 2021, pour Reginald Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, Steven Benoît et Yuri Latortu pour implication dans tous les présidents. Ou Jean-Moué, vous parlez de mandat ça. Oui, mandat ça. Quand vous avez des copies mandat ça, vous avez disparu. Mais, bon vérité, Stanley. C'est vrai, c'est SPG en lui-même, c'est na yoron l'issue soumettre par le président pour le choisir, mais décision finale, c'est le président qui choisit dans l'issue soumettre. Absolument non. Jean Constitution a écrit, président va faire veto à l'issue que vous voyez Balia. Et donc, c'est là mon problème de constitution. Avait dit que demain matin, le Sénat, CSPJ, voyez Lisbonne, ou pas qu'à bloquer. Donc, n'a pas débattu ça, parce que situation de justice en Haïti, nous faisons une réforme en dedans du système judiciaire, parce que ça nous vient là, on va pas payer qu'à continuer à faire. Non, il n'y a pas réforme, son lavage, c'est pas une réforme. Son lavage à pression pour faire. Par exemple, on prend un juge Lénique Frédéric. Monsieur son nek depuis gang rive devant dans quoi des boukem c'est la gang yo pour quoi. Et puis au lieu de révoquer monsieur c'est promotion yo bali comme dans tribunal de première instance Port-au-Prince. Ou un juge Ikenson Edume c'est lui qui a un dossier sur général nan men. Les nek yo wè monsieur va faire magouille à dossier sur général monsieur obligé de déporter tête li. C'est lui même un journaliste qui est Ikenson Saint-Ville t'est identifié comme juge qui a touché nan men à Nel chef gang Touya, la police Touya. C'est des juges qu'on s'accro gagne dans le système judiciaire et pourtant il kenson estimé, c'est lui-même qui président en association de magistrats. Non, système non véritablement il corrompu, système non corrompu vraiment. Et monsieur à Josué Pierre lui, c'est au même après assassinat président qui protégé parce que il kenson estimé ses frères Josué Pierre lui, il a protégé et beau frère yo. Et qui marie à Seyo, John Joel Joseph qui participait dans tous les présidents, c'est eux-mêmes qui aidaient John Joel Joseph sauver à Jamaïque. Donc là, on a d'accord sur un point que, à cause par la justice de la pays, c'est quoi VPN à chaque fait, c'est la même si à tel, arrêté un bandit et puis après ça, bon juge qui va le libérer. Donc je dis, face à cette situation, ça. Sous Jovenel Moïse, bon coalition, bon groupe gang qui fédéré, G9 en famille, je dis en l'annexe. Yo pas seulement en coalition mais yo sont acteurs nous ka considérer dans ça qui gagne pour avec dans ça qui gagne pour avec instabilité dans ça qui gagne pour avec tout problème qui gagne en dedans pays là yo c'est une non sous problème avec que l'autre chef gang Genève Odia et famille allié faut pas oublier madame Lalime qui aide au fédéré oui. Et madame Lalime dans rapport que t'ai écrit dans Nations Unies c'est dit que à cause de fédération ça crime réduit de 15% de dans pays et c'est même madame Lalime ça qui participer dans tous les présidents donc je ne dis pas nous gain plus ou moins ça relé en cartographie de gang yo dans pays d'Haïti nous connaît dans Tibois c'est Chris là nous connaît dans Grand Ravine c'est Tilapli nous connaît la boule c'est Timaka et nous connaît Ezekiel li gain base Pilate dans Belé c'est Kempes dans cité l'Éternel c'est Mano dans village de Dieu c'est Iso 5 secondes dans Craché Tiché gain Sanson Manilo dans Bois d'Homme gain chef de gang Diol dans Charbon gain chef de gang Ti Junior dans base Rue Porcelaine dans gain Ti chef gain Bacop 103 dans Wap Jérémy gain Mikano dans Fort Dimanche gain Ti Juste dans Belé gain Iska gain base Soleil 19
dans tête du peuple pour joindre Gabriel, dans Boston joindre Mathias, dans Drouillard joindre Tyson, dans Chancerel ou joindre Kobe, dans Santo joindre Chien Méchant, dans et Torcel ou joindre Vitelhomme, dans Butte-Boye ou joindre Becker, dans Base 95 ou joindre Tigreg et puis ou joindre Lamor sans jour dans Quai des Bouquets. Bon, bien entendu, nous essayons de monter cartographie, qui côté y est, qui côté oppositionné. Avec dit que soit pour une stratégie de craser gang, non. Premier bagaille pour faire, il faut faire ça avec les cartographies des gangs. Par exemple, dans Tibois qui a crise là, combien de motocyclettes, combien de machines, combien de camionnettes, combien de téléphones, combien de revolvers, combien de mitraillettes qui gagne, qui capacité de feu, combien de kilomètres carrés qu'il contrôle, combien de soldats qui sont dans gang. Non? Tout bagay sa yo, c'est au niveau de l'autorité civile, notamment premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, mais les tous les trois moun sa yo nan gang. A qui sont pas changer là? Corvée ka fait. Bon, en parlant de gang yo qui fédéré là, et non seulement gen gang qui fédéré, gen G9, gen G-Pub, gen l'autre et gen nèg ka fait alliance là, nous vinn trouver nous dans une situation côté que j'ai l'impression même gang yo échappé catégoriquement sous contrôle l'autorité parce que nèg yo te konnen lè yo te fè commencer à passer l'ordre là quoi avec ou non Yannick non qui t'aime fin avancer non avec ou bande petit bagay là tout petit et m'pa d'accord avec ou bande petit bagay là tout petit et c'est le contraire parce que les mini généisi tout bagay sous contrôle dans Nations Unies li pa d'a pa menti nèg yo gen contrôle gang yo vrai. Non, on va quitter une fin faire approche, non? Parce que, gang, vous avez contrôlé l'LTF7, soit vous mettez sous pied. Jodi, on a l'impression que vous perdez du contrôle au paquet de gang. Vous avez investi au paquet de gang, vous avez financé. Parce que, jodi, un groupe qui prend contrôle terminal va ou terminal pétrolier paysan, c'est négociation qui a fait pour bailler l'argent, pas qu'à dire la retirer col là. Même le c'est stratégie nous avons utilisé pour montrer blanc, nous pas qu'à contrôler le pays. Oui. Mais vous avez senti que gang yo c'est eux même qui a imposé bonne volonté. C'est eux même qui a imposé qui ça a fait, qui ça a pas fait, qui leur a fait, qui leur a pas fait. Donc c'est dans la logique ça a moins donné. Et par rapport avec toute exaction bandi a fait là, nous avons plaidoyer qu'a fait pour demander pour river amnistier chef gang de dans pays à coalition G9 en famille allié. Bon c'est les qui sont dit tout bagaille ça parce que moi-même et franchement bagaille ça échappé il échappé net et sous bon sens parce que me pas ta comprendre. On parler de amnistie, on parler de chef gang, on parler monde qui a fait des crimes de sang dans le pays et puis des plaidoiries qu'a fait là dans un moment pour t'arriver à une exaction amnistie. Ça. Et ça dit sous question gang yo rivé pour une certaine indépendance c'est bon bail nouveau que lié. Faut pas oublier que gang nan commence en 1995 les Aristide craser la mer. Les fin craser la mer, li vin créer nou premier gang yo. L'armée rouge, l'armée dimanchette, l'armée pirate, l'armée cannibale, dominant bois, balé ouzé. Les Aristides fin créé gang yo, li pral perdre contrôle gang yo. Par exemple, Aristide pral perdre contrôle à Miomete dans Gonaïve. C'est à Miomete qui te kon régler tout bagay pour lui. Bon côté à Miomete dit bon, si m'ka fait tout bagay ça pour Aristide, m'ka fait bagay pour tête moi. Et c'est là ça, Aristide vin perdre contrôle à Miomete, c'est pour ça il pral voyer ancien chef police là Jean-Claude Jean-Baptiste Aoudonel al touyer à Miomete fait au côté Bali Kemsi à Jemsi c'est les ça frère Miomete buteur Mete pour lever camper contre Aristide Bay là pour le bloquer. Donc les gangs yo formé en 1995 gon ensemble de bandits qui Aristide vin créer pour le grand indépendance yo Conventon Red Villemé Colibri La Bannière Ti Claude Ronald Cadav et Dreguiti et Dred Mackenzie, Billy, Evans Boalian, Tupac, et Toutou Danseré, T. Robinson, Général Bibi, Toto Sheriff, Général Titi, et Yo-Yo Piment, Black Pepe, Dom Laj, Black Samuel, Jean Renel, Inbala La Tête, T. Blanc, et Colonel, Black Nasson, Général Kiki, Gouffrin, T. Élisée, Amio Météé, T. Gabriel, Colonel Ravix, le Messi, commandant Wilkins, général Quinquen, Evans Sikouto, Jean-Renal, Junior Doyle, commandant Demos Kemsi, Pablo Esco, commandant Gouf, Tiougan,
de Daniel Tigé, etc. Donc, les gangs ont été créés, en bas de gangs, ils ont des petits mouns, soldats, qui ont entre 8 ans et 15 ans. C'est eux-mêmes, je vous dis, qui ont entre 35 ans et 50 ans, qui ont émergé comme chef de gang. Les Aristides viennent aller, c'est oligarques qui viennent prendre contrôle gang yo. Kouya, les oligarques qui viennent prendre contrôle gang yo à partir de 2006, c'est oligarques qui capable faire des chefs de gang, viennent sénateurs et députés. Par exemple Dimitri Vop va faire John Joel Joseph sénateur, il va faire Kato sénateur, il va faire Printemps Belize qui était un chef de gang à vin député. Kouya, les parlementaires ça yo qui était chef de gang vingé statut parlementaire ou gain immunité parlementaire yo servi à statut ça pour vinn élargir gang yo soit dit à correct gang ou gain journée jodia ça yo gain habitude servi leader politique servi ancien président servi oligarque latrier gang nan vinn réfléchir tout li dit si m ka fait tout bagay ça yo pou nèg ça yo ki créé m ka fait bagay pou tèt mwen et c'est comme ça autonomie en vinn fait. Bon, mba se la moun yo plus ou moins yo comprendre situation pays yan et nan moment là il faut nous vraiment faut nous vigilant parce que nous connaît déjà question amnistie c'est prérogative au président de la République. Ça ka bouke parler Ariel pa gen. Comment Ariel maintenant tête li son président, li son petit président li ou pa jam konnen moun fwaji tout jan. Donc nous oblige vraiment prudent sous dossier et amnistie ça pour nous pas prendre un coup dans l'eau. Nous pral rentrer pour nous finir émission dans dossier Lise Kitel là. Gen formation la kap circuler comme quoi ambassade Espagne refuse un visa d'entrée avec actuel ministre intérieur collectivité territoriale Lise Kitel. Est-ce que yon ambassade au pays ka refuse yon membre gouvernement qui en fonction yon ka refuse un visa d'entrée? Absolument. Et on visa son privilège que lié et son outil tout et qui fait partie de gestion sécurité nationale en pays. Il y a un droit absolument qu'il soit passeport normal ou qu'il soit son passeport officiel de service ou bien un passeport diplomatique. Il y a un droit absolument refuser au visa et donc et bon pour moi même affaire révoquer visa ça son bluff que lié et si blanc yo vle aider nous tout bon c'est pas visa yo t'a révoqué si blanc yo vle aider nous tout bon conseil de armes yo t'a déjà bail la police à l'armée par exemple conseil de fusil mitraille sniper fin yo gen capacité percer 5 à 6 blocs mais si bandi en caché derrière un béton ou ka tuer bandi avec lui. Gonseri de drone pour mener guerre contre gang en milieu urbain, yo t'a ban nou li. Gonseri de mitraille 50 léger qui permet capacité de feu la police augmenter par rapport à gang yo. Gon paquet zam nèg yo te ka ban nou. Ouais, par exemple, nèg yo voye 24 ou 30 milliards de dollars américains zam bay blanc pareil yo en Ukraine. Yo konn ki sa pou yo fè. Pour ça et nous même nèg nou pays d'Haïti, nous pas même besoin 60 millions de dollars américains zam. Pour ça yo pa ka ban nou. Pour l'armée à la police nous craser zam. Pour ça c'est blanc pépé, ka pral créer problème dans pays, ka pral créer catastrophe et ban nous maladie qui a voye. Nous pas besoin intervention militaire étranger. Blanc gen deux bagages pour le faire. Bay la police à l'armée zam. Et premier bagage là, deuxième bagage là, saisi compte en banque moun ki nan 15 catégories qui me sout ba out à l'air. Donc là, question Espagne qui pas bail qui tel visa d'entrée, ça c'est qui te détourner attention moun. C'est bluff lié diversion. blanc prend nous pour égarer. Si blanc a besoin aider nous, c'est saisi compte en banque yo et puis gon l'autre bluff nan retirer visa. Cadre moun ki responsable gang yo trafic zame violence dans pays d'Haïti responsable principal là c'est oligarque yo 99% oligarque yo c'est passeport français américain et canadien yo pa nan affaire de visa donc les blancs dit que la retirer visa donc oligarque yo c'est passeport américain que yo gagne c'est passeport canadien c'est passeport français au besoin yo pas besoin visa donc les blancs dit la retirer et visa blanc c'est pas passé dans bêtise tandis que les blancs dit m'a saisi compte en banque m'a besoin qu'on ait qui passeport qu'on gagne depuis non monté compte en banque à l'étranger en Haïti bloqué laisse ça ou pas qu'à financer gang trafic zam et violence politique contre peuple dans pays c'est pour ça si blanc sérieux c'est saisi compte en banque en Haïti à l'étranger bah là mais à la police zam si c'est pas ça dans bêtise il y a passé tout à fait c'est exactement ça pour faire et puis l'autre bagaille là
blanc pas doué dans coup d'état à quoi si blanc respecté peuple haïtien qui t'ai voté constitution 1987 là peuple a demandé application article 149 là qui clair ou pas qu'à installer un président tout autant que peuple a pour voter en attendant qu'on installe président son premier ministre qui doit diriger l'état avec ministre donc les nouveaux Ariel Henry aller son premier ministre un ministre qui doit remplacer blanc comme ça mais conseil de blanc pour on pique besoin vieux contrat pour aller voler richesse en bas des pays, c'est eux-mêmes qui n'ont pas goûté à quoi. Mais tout Stanley, vous êtes d'accord avec moi, question visa en Haïti, c'est son moyen de dissuasion politique et tout. Oui, parce que tout nègre qui fait politique en Haïti, il a serré madame yon appétit aux États-Unis, Canada, la France, et puis il a déstabilisé le pays. Donc, le blanc de absolument, son outil de persuasion, vous avez que le dirigeant SDP André Michel, peut retirer visa li et puis m'a kon session bay blanc yo c'est blanc servi avec allô bon j'en moi là nous gèlè perdu Stanley mais allô m'a essayé refaire contact là et parce que j'en dis non effectivement nous trouvons nous en situation côté que blanc a utilisé tout stratagème possible pour à la fois persuader et dissuader acteurs politiques haïtiens yo faut nous d'accord sur ça faut nous clair sur ça donc m'a essayé faire contact là avec Stanley pour moi qui ça baille nous sommes perdus tout à l'heure là et problème internet et nous pas arriver faire contact là donc jodi là nous trouvons nous en situation côté que et pays n'a fait face avec un ensemble de problèmes et problème ça qui est-ce qui crée yo c'est politiciens yo c'est acteurs politiques yo c'est acteurs qui dans société civile c'est acteurs qui dans secteur économique là c'est eux qui crée véritable problème yo donc si téléphone sonne légal est déchargé donc nous pas rétabli contact là donc nous trouvons nous en situation vraiment aujourd'hui là faut nous commencer à assumer responsabilité nous comme haïtien comme citoyen parce que aujourd'hui les États-Unis après les bagarre la Cali on pourrait différent citoyen américain yo impliqué dans choix dirigeant yo impliqué dans choix président moun qui pral représenter yo dans sénat etc. yo impliqué aujourd'hui là tout bagaille c'est blanc qui pourra imposer c'est pas yo pas propose yo pas seulement contenté pour proposer nous yo pas seulement proposer nous yo imposer nous yo imposer nous qui modèle dirigeant yo voulez yo imposer nous comment nous doit gérer sécurité la caillou nous c'est eux même qui a droit pas rien droit gain l'armée la caillou. C'est la police ou supposé gagner. Yo je dis à l'Ariel qui décide OK faut qu'on intervention militaire étranger. C'est blanc qui a déterminé comment l'intervention a fait. C'est au même ouais avant hier là m'faut émission côté que m'a détaillé baou qui proposition qui option que le secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres li fait. Comme quoi yo baou deux options possibles soit vous voyez yon force et de police multinationale soit yon voyon force spécialisée multinationale tout bagay se yon qui impose l, tout bagay se yon qui décide l, donc par rapport avec situation ça c'est qui ça qui doit faire comment ça doit faire ma fond dernier contact avec Stanley pour nous est-ce que nous ka joindre ni pour nous fermer émission hein? Si nous pas joindre ni pour nous avancer parce que émission soit émission qui était très intéressant donc situation li mandé pour nous dialoguer mandé pour nous débattre sous lui. Finalement, je rétablis contact avec Stanley Lucas et nous gardons déjà 4 points fondamentaux aujourd'hui dans l'émission. Et question plaidoyer qu'a fait pour amnistier gang G9 yo et liste non moun acteur politique moun qui dans secteur privé yo coupé visa yo soi-disant. Nous ouais aujourd'hui là, il y a près de 260 moun au total. Stanley Lucas présente nous 15 catégories moun ki yo même gen pouwe avec question et financer gang financer bandi ba yo moyen pour déstabiliser pays à tout petit peuple là nous wè dossier lise qui tel là et nous wè un bilan sous visite sous secrétaire d'état américain Brian Nichols en dedans pays dans deux derniers jours qui se passé là bon Stanley Lucas ou pral fini émission pour moi parce que m'faut pas get là n'a pas essayer rétablir contact non pas joindre donc dans moment là peuple haïtien besoin yon mot de réconfort yon besoin bagay nouvelle
Ils ont besoin des propositions. Ils ont besoin de monde qui pour camper avec eux, qui pour faire comprendre que ça y a vu aujourd'hui là, c'est acteur politique, c'est même international ça aujourd'hui là qui a fait dilatoire, qui a montré que yo avec Haïti, yo avec Haïtien, et pourtant en bas vraie décision, yo pas prendre en bas y a boy côté PNH, en bas y a crasé, y a fini crasé et la mé d'Haïti, nous gagner Canada là dossier 12 millions de dollars et matériel, yo t'a supposé ba nous blindé. C'est un pays qui ba nous plus coup. Et dossier équipement protection individuelle pour policiers jusqu'à date 1 et pas en fait. Je dis en là, on nous éclairer l'antenne nous, faire nous comprendre que relation Haïti avec États-Unis, relation Haïti avec un paquet de l'autre pays occidental, est-ce que son avantage, est-ce que son désavantage, qui ça va apporter de positif, ou bien est-ce que c'est seulement à utiliser Haïti comme choix le baba yo et comme bien privé yo? Qui ça va là exactement pour nous qu'a fini l'émission jeudi? Belle question, Yannick. En général, pour jouer une réponse à la question, ça oblige à tourner dans la racine de l'histoire pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Et dans le temps blanc, il y a un blanc mauvais jet, blanc corrompu, bien blanc volé et blanc assassin. Il y a un blanc tout qui t'a aimé ben non coup de main. À l'époque où songe, les Santonax a confronté problème avec blanc et mulatio. Et puis Santonax souhaite que il y a un problème à blanc et à mulatio. Santonax décide que le bal bay moun noir aux âmes. Pendant Santonax soit le bay moun noir aux âmes. Les esclavio, moun ki vin pran zam sa nan mon, c'est li pral retounon dans l'esclavage. Jounen jodi a et même jan. Les Toussaint Louverture t'a cherché la libération générale des esclaves. Li te gen des manœuvres qu'il te fait nan camp français a. Les rivon côté nan camp français a bloqué le traversé nan camp espagnol là. Pendant nan camp espagnol là fait progrès, rivon côté le bloqué la parler anglais. Yo. Li pa ka jwenn rezultat nan men anglais ou le retourner nan kan français a. Jodi a nan bataille ki n'ap mené an gen deux piliers. Gon bataille au niveau international pour nous faire blanc yo comprendre mais ça nous vle. Intervention militaire, c'est toujours catastrophe li pote pour pays a. Nous pas besoin aucune intervention militaire, mais par contre, yo ka bay zam à la police et l'armée et pour continuer aider nous, yo ka dans 15 catégories que nous sommes citées là, qui ont à peu près 260 personnes saisi compte en banque en Haïti à l'étranger. Laisse ça ou l'ouvre, puis porte pour la paix faite dans le pays. Troisième bagaille pour nous dire blanc, il n'y a aucun accord qui vient résoudre le problème du pays. Accord par la constitution, il n'est pas légal, il n'est pas constitutionnel, il n'est pas démocratique. Tout ça pour non accord, c'est coup d'État pour aller déposer. Blanc corrompu, voler toute richesse qui vient de bas pays. Fait blanc comprendre que c'est seulement article 149 là, dans le choix un nouveau premier ministre avec des ministres. Ça est combat international là. Quand il y a combat en dedans pays, c'est mobilisation qui doit commencer. Le 17 octobre, jour oligarque Pétionville tétouillé Papa Dessalines. Yo détouillé Dessalines parce que Dessalines te dit et nèg noue qui sorti en Afrique yo femme noue qui sorti en Afrique yo est-ce qu'il y a un petit crasse dans richesse pays a yo touyé Dessalines pour ça les Jovenel Moïse sorti libéral bay peuple a tirer là oligarque Pétionville touyé le pour ça donc le 17 octobre fond font mobilisation générale pour nous font envoyer un message très clair bay pays a et bay international là une manifestation pacifique que nous pral faire tout le monde habillé en noir et rouge sorti à chaîne nan pied chaîne nan main yo pour nous voir un message que nous honorer Dessalines et en même temps chaîne esclavage là nous pas de casser le point rien tout oligarque à blanc corrompu voleur assassin qui voulait remettre chaîne nan nan tête peuple là nan main peuple là et nan pied peuple là à travers un système pesé sous c'est nous pas d'accord. Deuxième message là, c'est préparer 18 novembre là. 18 novembre, on gros manifestation à travers pays là pour nous dire jour de la bataille de Vertière, nous pas voulez intervention militaire, nous voulez que au bail l'armée nous toutes armes et équipements qu'il besoin. Donc jour la bataille de Vertière 18 novembre, c'est le jour de l'armée, n'a font mobilisation générale à travers pays là pour nous soutenir l'armée. Pendant qu'il n'a pas de pour nous joindre un nouveau gouvernement conformément à l'article 149 là. Pas personne qui a venu régler rien pour nous.
c'est nous-mêmes qui pour régler problème pays nous. En même temps tout, faut nous dire blanc racisme systémique qu'elle a metté par rapport à Haïti à Folkampil. Laissez blanc pareil en Ukraine, li voye 30 milliards de dollars américains par l'armée blanc pareil en Ukraine. Tandis que là caï nous, on dit 80, on dit 100 millions de dollars qui pas 80 milliards, qui pas 30 milliards non. On dit 100 millions, on dit 80 millions de dollars, ZAM nous besoin pour l'armée à la police, yo refusé ban nous, avait dit que c'est gang yo kap, c'est communauté internationale là qui soutient gang yo dans pays là, n'a pas voulu équiper la police à l'armée. Même penser que c'est des messages simples pendant n'a préparé 17 octobre pour nous honorer en prière, pendant n'a préparé 18 novembre pour l'armée, faut nous préparer tout 7 février. OK, mais pendant faire approcher sous la sous matériel la police besoin, m'a pose une dernière question pour nous ka fini. Et nous constater par bon côté PNH pas gain aucune volonté vraiment volonté politique au niveau état-major la police au niveau CSPN nan, pour résoudre problème insécurité en dedans pays parce que me paraître quoi nous figer son seul groupe monde qui t'a supposé vendre nous armes, qui t'a supposé vendre nous équipement. Est-ce que le temps pour nous attendre volonté politique ça, bonne volonté, bonne foi ça va bon côté acteur yo, pour yo décider tout bon, résoudre problème de sécurité, bay la police en chance, bay policier en chance yo, pour yo gen bon matériel, pour yo mettre des opérations campées, pour al combattre insécurité, al finir avec question gang nan. Est-ce qu'on pense entre-temps gon bon quantité haïtien k'ap mouri? Est-ce qu'on pas pense entre-temps violence dans la multiplié par 10 parce que depuis pas gain volonté pas gain ka fait et entre-temps c'est haïtien qui a tombé c'est moun qui a victime qu'est-ce qu'il faut faire qui ça qui solution pressé qui ça qui solution d'urgence là par rapport avec question gang question insécurité moun qui a victime chaque jour moun qui a prend balle marron chaque jour gang yo non seulement ils ont contrôlé entrée et sud bayan li fait alliance avec nèg canarin jodian yo contrôlé entrée nord payan qu'est-ce qu'il faut faire le plus rapidement possible. C'est pour ça moins d'où faut qu'on change le gouvernement. Qui est-ce qui mettait ministre de la Justice Lambert au dossier qui est avocat au Genève, c'est Dimitri Vop. Qui est-ce qui n'entouille le président, Dimitri Vop. Qui est-ce qui crée Fantôme 509, c'est Dimitri Vop. Qui est-ce qui mettait quatre commissaires police là qui coordonnait action Fantôme 509 dans position clé de la police, c'est Dimitri Vop. Donc tout autant qu'on pas changer le gouvernement ça. Influence gang yo qui est-ce qui gagne contact et Izo Dimitri Vop qui est-ce qui te connait le boire café avec Izo en bas Dimitri Vop qui est-ce qui te commandant et opération Bagdad les ont fini touyer drette filmé général Kiki qui est-ce qui général Kiki Dimitri Vop. Donc c'est toujours même oligarque, c'est toujours même dirigeant corrompu. Tout autant que ou pas moyen cancer qui est les oligarques, pays a pas à aucun côté. Mettre gang yo, mettre violence en dedans pays a les oligarques. C'est oligarque là qui a saboté la police, c'est oligarque là qui a saboté la justice, c'est oligarque là qui n'a touyé président, c'est oligarque là qui a volé dans gaz, c'est oligarque là qui a volé dans dollar, c'est oligarque là qui a volé dans la vie chère. Tout côté aucun problème, racine principale problème pays c'est l'oligarque. Qui est-ce qui met leader politique qui a pas problème dans un accord c'est l'oligarque là. Et qui côté oligarque caché dans même pays ça qui dit c'est zami Haïti. Et pas même caché, il y a un passeport pays ça yo. Avec dit que oligarque Pétionville pays d'Haïti qui a ban nous tout problème ça yo, il y a trois passeports dans main yo, français, canadien, américain. Et c'est pour ça moi-même pas à faire révoquer visa parce que nèg français et américain yo gagne. C'est pour ça moi-même m'a insisté pour yo saisir compte en banque yo en Haïti à l'étranger. D'après au prix ça blanc refusé. D'ailleurs blanc a fait conférence et dans Zoom avec secteur privé a, c'est représentant oligarque ça qui dans Zoom avec blanc qui a fait suggestion de solution à crise. C'est pour ça tout autant peuple là pas camper pour faire appliquer article 149 là. Vina avec un premier ministre senti bon 18 ministres pour retirer les quittés, les dossiers, les arrières, les latriers qui dans système là nèg yo pas aucun changement qu'a fait. Faut que peuple là reprenne contrôle l'état. Peuple là t'es commencé gain contrôle l'état avec Jovenel, yo tué le pour ça. Faut peuple là recommencer prendre contrôle pouvoir exécutif là. Dans l'élection, pour prendre contrôle pouvoir judiciaire. Quand il y a les peuples qui reprennent contrôle pouvoir exécutif. Qui t'a le pouvoir, Jovenel là, oui? Pardon? Qui t'a le pouvoir, Jovenel là? Si m'a trop peu. Bon, moi, ça me dit, silence, coupe, c'est menti. C'est moi, Jean-Charles, qui mettait qui t'a le gouvernement.
Moïse Jean-Charles avec des oligarques qui mettaient quittel dans le gouvernement. Nèg yo pense que yo ka inventé menti dans radio que moun yo pa bwè. Ouais, ça fait partie de ça relé non opération clandestine de 5e composante là. Les nèg yo fait opération clandestine pour touyer président. Tout étudiant en sécurité nationale connaît que opération clandestine a 5 composantes. Personnel à l'argent pour faire opération, infiltration, exfiltration, propagande pré-opérationnelle et propagande post-opérationnelle. Question qui quitte elle, c'est Jovenel qui mettait là, fait partie de propagande post-opérationnelle. Question qui était 40 millions de dollars américains qui Jovenel là, il fait partie de propagande post-opérationnelle. Parce que le JDP a montré 40 000 dollars qui étaient dans la là. Question qui Martin, une question pour répondre, il fait partie de post-opérationnelle. Et question que c'est drogue qui t'a réglé propagande post-opérationnelle. Et c'est pour ça pendant 15 mois, tout ça nèg yo essayé. Après ça, c'est blanc pour contre qui tout les Jovenel, propagande post-opérationnelle. Blanc là dans le tout, mais c'est propagande post-opérationnelle. Donc si vous parlez bonnet, dans justice quoi chercher pour président, c'est le même genre tout propagande pré-opérationnelle là par ici. Nèg yo tellement qu'on est au sale caractère président Jovenel Moïse dans la presse. Yo comprennent ni réussi. Yo pensaient que jour matin 7 juillet, yo fin touyer président, peuple t'a prend la rue pour battre bravo. Et puis nèg yo saisi ces peuple là calmarie soldat colombien yo. Propagande pré-opérationnelle là échoué, même genre propagande post-opérationnelle là échoué. Bon, Stanley, n'a mettez fin là. C'est un plaisir aujourd'hui là, nous font bon râler, nous faire des râler techniques sous différents faits qui a dominé l'actualité. Pour moi, la situation pays a évolué et n'a toujours là pour nous garder pour nous font en table ronde sous différents points ça pour nous et garder qui ça nous a proposé public là dans l'idée pour répéter ça bon il y a des propositions parce que il y en a pas qui peuple là doit connaître blanc pas ca résoudre problème gang que nous gagne blanc là dans Chicago. Puis mon problème gang. Depuis l'année a commencé mois de janvier, rivé là à côté nous en octobre 2022, il y a 3500 moun qui mourent dans la violence gang dans Chicago. Blanc pas résoudre problème gang la caille. Qui n'a pas résoudre problème gang la caille. C'est nous-mêmes haïtiens qui pouvons mettre tête ensemble pour nous résoudre problème gang là. Si blanc veut aider nous, zambou la police et à l'armée, saisit tout compte en banque 15 catégories qui nous déboîte à l'air qui boit à peu près 260 moun. Donc, message à passer, mon yo prend message. Et donc. Et message gouvernement. Et merci Stanley, c'était un plaisir. N'a pas croisé dans l'autre occasion. Toujours disponible pour anytime. Merci bien. Bon week-end. Bye. Je nous souhaite là, nous constater son débat qui était très mouvementé, question à poser, réponse à bail. Et nous découvrons aujourd'hui à là, il y a 260 personnes dans 15 catégories qui ont même à alimenter, à financer l'insécurité, question gang, question violence dans le pays. Et je me dis hier dans l'émission, d'autant pas attaquer avec portefeuille, pas attaquer à bout à l'argent d'exaïo. C'est comme si c'est corvé, c'est lavé, mais si y a terre. Et je dis Stanley Lucas rejoint moi dans même l'idée, dans la même ligne. Parce que nous pas qu'à faire corvé, nous bouquons faire corvé, nous avons bien longtemps à faire corvé. La question oligarque, politicien, question couper visa, nous, eh ben, ça n'a pas marché déjà. Formule ça n'a pas marché, il n'a pas applicable avec la situation nous avons dans le pays. Donc, Haïti, calez jour, en réalité, demandez-nous pour nous caler genoux, n'a pas calé genoux pour nous montrer ce qu'a fait en dehors du pays, dans le pouvoir, réel en rien. Ce n'est pas question démocratique qui a réglé. Ce n'est pas question respect principe qui a réglé, mais plutôt c'est nèg qui a satisfait ses intérêts mesquins. Rendez-vous à l'ICASE 7h boule avec Foucault pour reste la programmation. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.